Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Overwatch, chers amis. Donc nous sommes en élimination sur Ecolab, comme c'est marqué en haut à gauche. Oui, en fait, je me suis juste parce qu'en fait, quand la partie est démarrée, j'ai appuyé sur le truc pour mon nez et je m'en suis mis partout. C'est pas grave. D'accord. Dommage, j'ai pas réussi. Faut dire, je suis pas aidé, j'ai un Genji. Alors attendez, il y a Genji. Et Fatal. Et Fatal, elle est où? Waouh. On sent la grosse Fatal. Y'a personne. Mais où est-il? Oh là là! Oh là là, la grosse Fatale! Oh! Honnêtement, cette Fatale est magique! Cette Fatale était juste magique. Il va la reprendre, hein. Il va la reprendre, Okidoc. Hein. Non? Tu la reprends pas? Ah oh, tiens, il prend un heal. Bon, bah, je vais la prendre alors, après tout. Après tout, chers amis. Hop. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait du ranked. J'ai joué Fatal et j'ai eu la play of the game, Guy. Merde. Bah, là, je me suis planté. Voilà. En fait, je suis arrivé en bout de course. J'ai tapé dans le. Ça s'est entendu, on a mis dans le micro. J'ai tapé dans. What? Forcément, je vais être mort très rapidement. Hop. J'ai tapé en fait dans le. Hop, voilà. Dans le comment, dans le joystick Thrustmaster. C'est pas grave, c'est pour ça qu'en fait à la fin j'étais petit à coup parce que j'essayais de vraiment de rattraper le coup tellement j'étais stressé. Par contre oui, apparemment il y en a un qui a pas aimé, je crois que c'est la Fatale en face qui a pas. Ah non, c'est Monsieur Bushido qui a. D'accord, ok, bon bah écoute. Allez, on va essayer de recevoir Monsieur Bushido. Monsieur Bushido. Après tout, cette compo dégueulasse fonctionne donc. On va pas s'en plaindre. Donc oui, j'ai eu la play of the game. Alors, je vais aussi virer le crayon parce que j'ai des trucs partout en fait autour de mon. Voilà, c'est bon. Allez, vol. Vol ? Pas de vol. Monsieur Bushido. Aïe! Merde! Raté! Et en fait, ils ont tous été sur ma gueule. Enfin, je veux dire. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh, ça a été dur! Hein. Ça va être dur! Hein. Pour Monsieur Bushido. Parce que là, il peut rien faire face à elle. Hein. Eh oui, t'as été wallé. C'est pas grave. C'était la chose à ne pas faire. C'est la chose à ne pas faire avec une Mei, en fait. C'est ça le problème. Bon, on va arrêter de troller leur game. On va prendre un soldat, tout ce qu'il y a de plus classique. On va pouvoir aller au combat et on va pas. Oh bah non, non, mais non. Okidoc, pourquoi? Oh quel dommage. C'est pas grave. On va y arriver quand même. On va faire le truc. On va faire ce qu'on a à faire. Hop. Désormais, nous allons tous des soldats.
Place au combat. Crac. Point décisif. T'es sérieux là, le singe? Je me rendais pas compte que l'ennemi qu'il avait une telle portée, mais enfin bon, c'est pas grave. Et j'étais tout seul parce que lui, il a juste couru là. Donc, Okiduck, niveau 400, joue encore à un jeu en équipe en mode solo. Voilà, voilà, voilà. Donc, on se fait écraser sur deux parties de suite. De préparez-vous au combat. Choisissez votre héros. Ah, Okiduck. Pratiquement niveau 400. Désormais, et le mec, tout ce qu'il fait, c'est courir du côté de l'équipe adverse. Oh bah bien! Ah, j'ai des gens utiles dans l'équipe! Ah bah bien! Bien! Ah, c'est génial! C'est génial! En fait, on jouait à deux. Okiduck, merci à toi. Bon, bah, on a un coffre au moins, hein, c'est la fête. J'ai pas envie de regarder. On a joué avec un blaireau, c'était la fête. Oh, deux épiques. Pff, ouais, enfin bon. Voilà ce que j'ai obtenu, génial. C'était pas la fête, là, par contre, hein, finalement. Non, par contre, ouais, ça serait bien de tomber avec des gens qui veulent gagner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier soir, j'ai joué en ranked. J'ai fait quelques enquêtes et c'est très bien passé. Jusqu'au moment où toute une équipe ne voulait pas gagner. Je précise, c'est-à-dire qu'en fait on était sur la map Népal. Vous savez, il y a la map avec le gong, enfin la cloche au milieu, enfin le non, l'espèce de pylône au milieu là. À aller chercher et en fait, tous les personnages importants, c'est-à-dire que tout le monde avait pique dès la première seconde, les personnages importants, c'est-à-dire tank, support. Donc je me suis dit génial, et ils ont jamais souhaité bouger de l'encadrure de la porte. Ils sont restés dans l'encadrure de la porte pendant toute la game. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai joué différents personnages pour essayer d'aller bouger un petit peu ce qui se passait devant, mais en fait, rien du tout. Donc ils ont attendu, en fait, le Reinhardt attendait comme ça. Une fois que son bouclier n'avait, une fois qu'il avait plus de bouclier, bah, il se laissait crever. Voilà. Et après le mec m'a dit ouais mais regarde j'ai 45 000 points de dégâts. Bah oui, chaque fois que tu meurs t'attendais qu'on démonte ton bouclier pour remourir. Donc voilà. Il avait la carte 45 000 points de dégâts encaissés. Normal, il faisait que ça, il attaquait pas. Donc ça c'était la toute fin de la game, hein. Entre deux il y a eu la map, vous savez, avec le trou, vous savez, l'espèce de trou au milieu là. Et plutôt que d'aller vers la gauche en rentrant dans la zone, en sachant qu'il y avait un Lucio et une Pharah en face, il se dirigeait vers le côté où il y avait le trou. Donc, la play of the game de cette game-là, ça a été une Pharah qui a envoyé 4 de mes alliés dans le trou. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais avec un autre Français à ce moment-là, Monsieur Blairman, hein, je crois que ça s'appelait comme ça qu'il s'appelait. Bref... Et il a vu ça, on a rigolé 2 minutes, puis après ça a continué sur la deuxième partie. Et la troisième qui était, vous savez, l'attaque du point central. Et ben, il y avait en attaque Bastion et Torbjörn. Donc j'ai pris Anzo, Blairman a pris
fatale. Et apparemment, je me suis fait report plusieurs fois parce que j'étais trop bon avec Hanzo. Accès en cours à l'écolab. Truc de fou, hein. Non, non, mais c'était la partie de trop. Vous savez, c'était celle où il aurait fallu que je m'arrête avant. Préparez-vous au combat. Mais bon, c'est... Choisissez. Oh mais non! Mais arrêtez vos conneries! Ah bah dans ce cas-là, moi je prends Bastion. Je suis désolé, j'ai pas de raison de... Place au combat. Hop. Hop, voilà. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il joue pas en face non plus. C'est quoi cette... Enfin, j'aimerais comprendre, c'est... C'est quoi l'objectif? C'est pourquoi il y a des gens qui partent pour Désormais, perdre. trois, nous sommes tous des soldats. Un, place au combat. Ok, t'es mauvais toi. Mais non! Ok. Préparez-vous au combat. Choisissez votre héros. Donc pour la traduction, j'aurais espéré moi aussi pouvoir croire en vous, mais avec ces pics... Désormais, nous sommes tous des soldats. 1. Place au combat. Putain, mais arrêtez de mourir bêtement! Un impératif tactique. Forcément, moi je me les bouffe. Hop, merci. Tous vos équipiers ont été éliminés. Voilà. Score. De préparez-vous au combat. Choisissez votre héros. Désormais, nous sommes tous des soldats. Donc en gros, son mot il m'a dit je vais prendre un support au prochain. Moi je lui ai dit bah ouais mais sur une partie en trois manches, t'as pas assez de chance pour y arriver pour Allez viens, 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 viens. Éliminé.
Hop, voilà. J'ai pas eu le temps de le dire. Enfin bon, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, comme on dit. Oh, tristesse. Tristesse. Ça, c'est beau, ça. Ah bon, préparez-vous au combat, apparemment. What? C'est quoi ce bordel? Bon, on en est où dans l'épisode, chers amis? 15 minutes, on continue. Hop, on va essayer de se faire des... un coffre. Allez, 2 victoires d'affilée, on se fait un coffre. Ce serait cool. Bastion POTG, je pense que ce sera le nom, malheureusement, de cette vidéo. Alors, je voudrais pas dire, mais j'ai... Alors, attendez. Bastion POTG. 1, 2, 3, 4 Astronir. 1 Shadow Warrior, 2, 5 Overwatch à monter. Ce qui veut dire un total de 10 vidéos à monter. Il va être 17h bientôt. Je vais en copier la moitié sur la clé, sur le, enfin sur la clé USB, non, sur le disque dur portable. Les passer sur le PC portable et ensuite essayer d'en monter 2 à la fois. Ça va être coton. Alors, Spiff, merde, j'ai pas vu que c'est qu'on avait en face. Vanitas, ah Vanitas, 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 Vanitas. Hop. Spiff. Ok, Spiff qui joue principalement. Oh. Spiff qui joue support. Alors ça c'est vraiment intéressant. Génial. Je l'ai touché, cela dit. Mais putain, mais c'est quoi cette M? Nom de Dieu, viens là! Oh bah c'est mort. Préparez-vous au combat. Il y a mon chien qui pète une durite. C'est le mien? Non, apparemment c'est pas le mien. Enfin, il y a le mien qui répond, mais... Voilà. Dommage. Bon, ils vont la voir normalement. Vous en remettrez. Préparez-vous au combat. Je sais pas si rester sur la même compo tout le temps, c'est une bonne chose. Enfin bon, on verra bien. Apparemment, il veut rester sur des pics offensifs parce qu'il a pas apprécié la première game, je pense. Le motard, appelle-moi grand pauvre encore une fois. Place au combat. Elle est bien celle-là. Oh, what? Mais non! Mais l'animation de tir! Le pire, c'est que j'ai eu le droit à l'animation du tir! Admirez le travail! Allez! Allez, t'as pas le droit à l'erreur! T'as pas le droit à l'erreur! T'as pas le droit à l'erreur. Voilà. Score.
Mais alors là, le coup du total cancel, là, c'était la goutte de trop. Je veux dire, il y a eu l'animation du tir, on l'a vu l'animation du tir, mais j'ai dû m'endormir à ce moment-là. Donc on a tout vu, mais à mon avis, il a pris zéro dégâts. J'ai l'impression qu'il a pris zéro dégâts. Donc, ouais, c'était bizarre. Hein. Remarque, ils avaient un duo de heal. Donc ça se trouve, il a pris des dégâts, mais bon, sur le coup, c'était rien, quoi. Voilà, vengeance perso. Voilà, problème résolu. Ah, j'arrive pas à... Appelle-moi gros porc encore une fois. Par contre, le ping est moisi, je sais pas ce qui se passe sur leur serveur, mais... J'ai pas un ping comme ça habituellement, donc ça m'inquiète. Attends, je suis pas en train d'être cloné ni rien. Je comprends pas, j'ai un gros ping serveur en ce moment. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Ça m'étonne. Je vais faire un test de ping après, mais ça m'étonne. J'ai rien d'autre normalement. Donc encore une victoire, chers amis, on y va, on quitte. Encore une victoire, mais ça m'étonne, c'est étonnant. Je regarde quand même si j'ai rien qui télécharge, mais... Bizarre. Donc, la fresque Overwatch, ça m'intéresse pas. Je vais faire un test de ping après, mais... Ou alors c'est un bug, il m'affiche un gros ping, mais... Ça m'étonne. 52, je trouve ça balèze. Moi j'ai toujours à 13-14 avant, vous vous rappelez, hein. Je trouve ça balèze. Non, je vais essayer sur le filaire après plutôt. Là j'étais en train de partir sur le PC portable, mais c'était pas bon. J'ai bien envie. La cavalerie est arrivée. Préparez-vous au combat. Ok. Choisissez votre héros. On va bien voir, hein, mais la dernière fois que je l'ai joué, j'étais content. Time Travel, Rashid Plays, Shoes. Le Roé, Skeleton Doom. Hello mon chou, la cavalerie est arrivée. 1, place au combat. Marche en merci. Hop, voilà, j'ai été mauvais. J'ai le doigt qui a glissé. Enfin, je me suis. Vous avez vu, j'étais comme ça. C'est pas bon. J'ai joué ça très très loin. J'ai joué ça de très très loin. C'était pas bon. On va prendre Fatal, on va rigoler. Hop, les. Allez Marcus, concentre-toi. Tu peux le faire, tu l'as fait hier soir. Place au combat. Oh là là.
Merde, je suis mauvais. Putain, je crois qu'il est rentré. Merde, je suis mauvais. Faut vraiment que j'arrête avec ça. Putain, mais... Ah, Marcus. Je peux faire mieux que ça. Bon, je suis mauvais. Wouh! Ouais, ouais, ouais. Bon sang. Allez, sors. Hop, non, non, tu te régénéras pas. Tu te régénéras pas. Tu te régénéras pas, désolé. Ce pic là n'était pas bon. Ce pic là n'était clairement pas bon. Par contre, ils avaient sorti un Rodog. S'ils sortent un Rodog. Oh non, même pas. Je vais même pas sortir ça. Je vais sortir plutôt celui-là. Moi. Oui, je sais, j'ai une belle balafre au fait. Hein. Je sais, merci. Vous remercierez mon toutou. Ça fait... Ah merde! Ok, j'irai pas loin d'huile. J'ai pas le bon pic, hein. Je te détruis cette bombe. Oh le pauvre. Bonjour. Bon, voilà. Bon, victoire. Action de la partie. Bon bah oui, d'accord, ok. Ça met dans l'ambiance. À quel point on a été bon. Non, franchement, j'ai été mauvais, et avec Fatal, mais je sais que ça peut dépendre de mon ping aussi. Un ping instable avec un sniper en hitscan. Hop, moi j'ouvre mon coffre, hein, désolé. Hein. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de chance! Que les trucs qu'on avait déjà, sauf ça. Oh, il est pas si mal ce tag. Hop, je vais les mettre là. Ok, cool, ok. Bon bah écoutez chers amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, en tout cas c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yo!